политика. Троцкий и троцкисты отрицали возможность построения социализма в условиях капиталистического окружения. Depuis plus de 50 ans, jamais un secrétaire général du parti n'avait prononcé à la tribune du plénum du comité central le nom de l'ombre anéantie, le plus illustre fantôme de leur histoire, Léon Trotsky. Pourtant, en 1917, nombre de paysans russes croyaient que Trotsky et Lénine étaient une seule et même personne. Dixième anniversaire de la Révolution, deux jeunes communistes français viennent à Moscou rencontrer Trotsky qu'ils découvrent en situation critique. Nous avions évidemment été frappés par son allure, son énergie, la conviction qu'il démontrait, mais surtout par l'ampleur de ses vues et de ses analyses. Nous lui avions demandé tout naturellement comment il se faisait que, dirigeant de la Révolution avec Lénine et créateur de l'Armée rouge, il pouvait se trouver en butte aux difficultés qu'il rencontrait. Trotsky était un des trois ou quatre noms principaux connus en Occident, en France en particulier, parmi ceux qui avaient été les chefs de la Révolution en octobre 17. Au cours de notre entretien avec Trotsky, le téléphone a sonné. C'est Smirnov qui a pris l'appareil. Smirnov était ministre des Postes. Il avait mérité auparavant le nom de Lénine de la Sibérie et il a transmis l'appareil à Trotsky. Et Boukharine a dit à Trotsky, ils vous ont exclu hier, ils sont fous au Kremlin, ils ne pourront pas se passer de vous. Et Trotsky, en reposant l'appareil et en nous rapportant les paroles de Boukharine, a seulement dit, voilà. Dix ans plus tôt, Trotsky était de la poignée d'hommes qui allait ébranler le monde. Trotsky sait l'insurrection d'octobre. Il était président du Soviet, il dirigeait le comité militaire révolutionnaire qui commandait la garnison. C'était lui qui entretenait le moral, qui parlait au cirque moderne. Il avait la tribune portée sur les épaules des auditeurs. Et il y a des épisodes extraordinaires. Enfin, il y a celui de Pierre et Paul, la forteresse qui pratiquement empêchait les mouvements. Pour l'insurrection, il refuse la solution qui aurait consisté à la prendre d'assaut. Il y va, accompagné d'un camarade, assemblée générale. Il gagne la garnison, elle se rallie à l'insurrection. Ça, c'est Trotsky en octobre. Réunion, meeting, assemblée, c'est l'agitation avant l'explosion. Un révolutionnaire, c'est d'abord un tribun, car il faut sans cesse informer, convaincre, galvaniser les foules avant l'action. Et pour Trotsky, la parole est reine. Le pouvoir des mots a toujours surpassé celui des fusils. Signant sous le pseudonyme de La Plume ses articles politiques, Trotsky sera aussi la voix de la révolution. «
ce qui les unissait d'une façon terriblement passionnée, c'était la révolution. Et la révolution, ils la faisaient depuis un siècle, avec des prisons, enfin, sans vie privée, les prisées brisées, n'est-ce pas? Ce qui les réunissait, c'était une eschatologie. C'est-à-dire, ils avaient des fins lointaines, n'est-ce pas? Et ils étaient, mais ils les faisaient immédiates. Ce sont la fin lointaine d'une humanité parfaite où il n'y aurait plus d'injustice sociale, n'est-ce pas? C'était pour eux pour demain, pour lundi, n'est-ce pas? Ils y croyaient dur comme fer. C'est incroyable comment cette passion pouvait être tellement stupidement, et qu'ils pouvaient être aussi stupidement passionnés, n'est-ce pas? Parce que c'était scalogique, croyant que le ciel sur la terre va se faire dans 6 mois, vraiment il faut être un peu sonné, enfin. Mais et ils l'ont fait. Dans le village d'Yanouka, en Ukraine, né le 26 octobre 1879, Lev Davidovitch Bronstein, fils de paysans juifs aisés. L'adolescent brillant s'indigne devant les injustices de cet empire féodal et s'engage résolument dans la lutte clandestine. Populiste avec tout ce que ça implique, le romantisme, les intellectuels qui vont vers les paysans malheureux, les héros qui se sacrifient dans les actions terroristes. Et au milieu de cette exaltation, il rencontre Alexandra Lvovna, qui est plus âgée que lui, dont tous ses camarades sont amoureux et qui est marxiste. Et il va mener un long combat contre le marxisme qu'il considère comme desséchant, mécaniste, et qu'il rejette, et il capitulera finalement devant le marxisme et devant Alexandra, qui deviendra sa compagne. À partir de là, il organise ce fameux groupe d'inspiration marxiste, avec des ouvriers, sortant des feuillectographiés, faisant comme on fait à l'époque, des réunions dans les bois, des conférences culturelles. Il organise plusieurs centaines d'ouvriers à Nikolaïev. Et jusqu'au moment où il est arrêté. Condamné en 1900 à 4 ans de déportation avec son épouse Alexandra, ils sont envoyés ensemble en Sibérie. Là-bas naîtront 2 filles, Zina et Nina. Collaborant à la presse clandestine et poussé par sa compagne, Lev Davidovitch s'évade pour rejoindre l'émigration marxiste en Europe. À Londres réside Vladimir Ilitch Ulianov, dit Lénine, dirigeant du journal L'Iskra. C'est le théoricien marxiste de la révolution à naître. Il a déjà rédigé dans Que faire les bases de l'organisation et de l'action du parti bolchévique. À l'aube du 20 octobre 1902, Lénine est réveillé par celui qui, de 10 ans son cadet, sera désormais connu sous le nom de Trotsky. Bon, Lénine, c'est pour Trotsky un modèle, c'est pour le rejoindre qu'il sort, et Trotsky, c'est pour Lénine, le jeune militant doué. Le premier contact est très bon et très vite. À partir du deuxième congrès, tout change. À ce deuxième congrès, où Lénine et Trotsky se séparent sur la question de la direction, de la composition de la direction et de l'élimination des vieux, que Trotsky n'accepte pas, à partir de ce moment-là, il y a les bolcheviks, c'est-à-dire majoritaires, avec Lénine, les mencheviks minoritaires, dont Trotsky est pendant quelque temps, et qui au fond sont divisés sur la question, est-ce que c'est la classe ouvrière qui va diriger la révolution? Oui, disent les bolcheviks, non, disent les mencheviks.
comment va être fait le parti par l'unification de toutes les tendances et courants, dit Trotsky, à partir du programme d'une fraction rigide et rigoureuse, dit Lénine. Et les deux hommes séparés par ces questions, polémiquant durement, vont être opposés pendant une bonne décennie, avant de se rejoindre, mais beaucoup plus tard seulement. Quelques mois plus tard, le jeune Trotsky rencontre à Paris Natalia Sedova, qui deviendra la compagne de toute sa vie. C'était un être très frêle, mais doué d'une personnalité qu'on saisissait, qu'on percevait immédiatement. Elle était d'une extrême gentillesse dans les rapports quotidiens, très attentive, très fine, très sensible. Mais vous savez qu'elle militait avant de rencontrer Trotsky. Elle était à Paris, dans ce groupe. Elle s'était fait expulser toute jeune de l'université. Elle était allée continuer des études de botanique à Genève. Puis elle était venue à Paris renforcer ce groupe de l'ISCRA. Et c'est à cette occasion qu'elle a rencontré Trotsky, donc elle se considérait elle-même comme une militante à part entière. Dans une Russie affamée dont la flotte est vaincue par celle du Japon, éclatent en janvier 1905 des manifestations violemment réprimées. C'est le Dimanche Rouge. Aussitôt, Trotsky regagne clandestinement Pétersbourg. Il est le premier et pendant quelques mois, le seul dirigeant révolutionnaire revenu d'exil. L'Empire se soulève. Les marins du Potemkin se mutinent. Le tsar doit concéder certaines libertés démocratiques et promettre une constitution. La révolution de 1905 porte le nom de Trotsky sur toutes les lèvres. Les photos de Trotsky à l'époque. Ce jeune homme magnifique, enfin, avec un port de tête altier, etc. Alors, il y a tout ça qui fait que, bon, consciemment, inconsciemment, on s'attache à un mouvement, on a des convictions, à une littérature, à un homme. Il n'est ni bolchevique, ni menchevique, et il est pour l'unification. Ça lui donne, disons, une beaucoup plus grande liberté de mouvement. Il est le premier à rentrer en Russie des mois avant les autres, et il va être capable, notamment par ses qualités d'orateur et d'analyse politique, d'être à Saint-Pétersbourg, l'homme qui rassemble dans une même orientation bolchevique et menchevique. C'est à ce moment que se constitue le Soviet de Saint-Pétersbourg, le Conseil des députés ouvriers élus dans les usines et qui se réunissent à l'échelon de la capitale avec les représentants des partis. Et Trotsky est l'un des dirigeants, porte-parole, orateur et écrivain du Soviet, et à la fin d'ailleurs il en est le président et le porte-parole. Président du Soviet de Petrograd à 26 ans, chargé de préparer la grève et l'insurrection armée, Trotsky est arrêté en décembre avec ses compagnons et condamné après un procès retentissant à la déportation à vie. Deux mois plus tard, c'est l'évasion. L'exil, une fois encore. Sans répit, Trotsky reprend ses activités militantes, parcourant toute l'Europe. Il fonde la Pravda à Vienne, polémique avec Rosa Luxembourg, combat les positions de Lénine et des bolcheviks. Nouvelles ruptures, nouvelles alliances, nouvelles publications face à un monde qui s'arme. Quand le conflit éclate, il va s'installer à Paris avec Natalia et leurs deux fils, Lyova et Sergueï. Contre l'effort de guerre, les combats absurdes et l'union sacrée, Trotsky, comme nombre de révolutionnaires, est convaincu que de la guerre impérialiste surgira la révolution mondiale.
Expulsé de France en septembre 1916, c'est à New York que lui parvient la nouvelle de la révolution russe de février 17. Sans hésiter, Trotsky repart dans une Russie où le tsar a abdiqué sous la pression d'un peuple qui ne supporte plus le conflit qui s'éternise. Et renonçant à ses désaccords avec Lénine, il se rallie à lui pour combattre le gouvernement provisoire de Kerensky et conduire la révolution prolétarienne. Trotsky devient bolchevique. Trotsky n'était pas un vieux bolchevique. Ça, c'est un premier point qui est très très important, n'est-ce pas ? Il s'est rallié au mouvement bolchevique et à Lénine au moment de la révolution. Il a joué un rôle extraordinaire dans des secteurs absolument décisifs de l'insurrection et bien sûr après dans la construction de l'armée rouge, mais initialement il ne faisait pas partie. Il ne faut jamais oublier ça, parce que ça explique quand même certains comportements, certaines attitudes, certaines relations distantes, n'est-ce pas? Or, il était devenu, dans une certaine mesure, le second de Lénine. Et de ce point de vue, quoique les choses n'aient pas ce formalisme, n'est-ce pas? Personne n'aurait osé dire à cette époque, c'est le second de Lénine. L'un et l'autre rejetaient la défense nationale, l'un et l'autre rejetaient la participation à la guerre impérialiste. Ce qui à la fois les isolait de la majorité dans les différents partis et les rapprochait. Et la guerre les a rapprochés. Et puis, il y a un second facteur qui a beaucoup joué, c'est que dans le cours de la révolution, apparaît le parti bolchevique comme un parti de masse chevauchant la vague révolutionnaire, j'ai envie de dire surfant, et c'est le parti bolchevique. Et il va être bientôt un parti de centaines de milliers d'hommes, alors que Trotsky, sur la base de son activité à lui, n'en a rassemblé que quelques milliers. Donc ce parti de masse que Trotsky voulait faire par l'unification, il a été réalisé par la méthode de Lénine. Et le troisième point, alors cela c'est exactement l'inverse, Trotsky a posé après la révolution de 1905 le problème dans les termes de « pour mener à bien la révolution bourgeoise, il faut que ce soit le prolétariat qui prenne la tête de la révolution ». Et là, c'est ce qui est en train de se passer en Russie, et c'est la position à laquelle Lénine s'est rallié avec ses thèses d'avril 17, donnant en quelque sorte, dans les faits, raison à Trotsky. J'insiste bien là-dessus, car je suis le seul à l'avoir vu. C'est là qu'a lieu le rassemblement des bolcheviques. Combien étaient-ils, ça je ne saurais le dire. Mais pas très nombreux, quelques milliers, 3000, 4000 au maximum. Et encore, je n'en suis pas sûr. Je demande donc de faire l'immense tour, c'est-à-dire au sud-est de Moscou, pour revenir. Or, tout au long de notre route, ce sont des barricades occupées exclusivement par des soldats de la garnison, c'est-à-dire par des moujiks, c'est-à-dire par des paysans en uniforme. Il n'y a pas d'ouvriers. Les ouvriers sont mobilisés dans les usines. C'est donc à Moscou, la garnison hostile à la guerre, favorable à Lénine et à Trotsky, qui s'est emparé du pouvoir. Sans elle, les bolcheviques, du moins le groupement que j'ai vu, ont été vaincus et battus à pleine couture. Un
gouvernement de commissaires du peuple se constitue, qui va aussitôt abolir la propriété foncière et accorder la terre aux paysans. Maria, la jeune épouse d'Alex Ioffe, amie de Trotsky, était présente lors de l'annonce des nominations. Затем появляется через некоторое время и говорит: министр, он только одной ногой входил в нашу комнату, вторая нога была за дверью. Да, и говорит: министр иностранных дел Троцкий, и мгновенно исчезает. Через некоторое время приходит и говорит: министр просвещения, мы все хором. Луначарский! Да, совершенно верно, Луначарский. Вот такие времена были, да. И действительно, приходит через некоторое время и заявляет: министров никаких не будет. Полное молчание. Будут народные комиссары. И будет совет народных комиссаров. Тогда, понимаете, я кричу: а кто предложил? Троцкий. Да. И кто-то другой говорит: слушай, да не беги ты, а кто председатель вашего этого совета народных комиссаров? Ну, дурачье. Конечно, Ленин. Tous les commissaires du peuple sont bolcheviques. Les nouveaux dirigeants sont de jeunes hommes. Boukharine a 29 ans. Kamenev et Zinoviev, futurs présidents du Soviet de Petrograd, ont 34 ans. Radek sera au comité exécutif de l'international que Kalinine présidera. Aux affaires étrangères, Trotsky est entouré de ses vieux compagnons d'exil, Ioffe et Rakovsky. Enfin, est nommé commissaire aux nationalités un certain Joseph Djougachvili, plus connu sous le nom de Staline. Il était assis dans son fauteuil devant une table où il n'y avait absolument rien. Non, il était assis comme ça. Sa main droite s'appuyant sur le coude de son fauteuil et me regardant. Je suis arrivé, s'était levé, il nous avait serré la main, que l'on taillait à moi, et il nous avait fait asseoir. Moi, je m'étais assis juste en face de lui, grâce à moi qui devait faire le rapport. Je lui ai fait le rapport en russe, et il me brillait avec ses yeux jaunes, en me disant: taquinade, taquinade. Un faciès horrible, grainait, jaune, citron, les yeux jaunes, citron. Maigronet. Allez voir ça. Bien avant que Staline accapare tout l'État, la question de la démocratie se pose dans la jeune République des Soviets. Faut pas oublier une chose quand même. C'est que la Russie, là je parle au sens traditionnel du terme, la Russie des tsars et la Russie aussi bolchevique depuis Lénine, dans toute son histoire, n'a connu que 7 mois pendant lesquels il a été question de démocratie. C'est de février 1917 à octobre 1917. Et Lénine a pris le pouvoir en déclarant carrément: la démocratie, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin et il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, la première chose importante qu'il a faite, ça a été de liquider l'Assemblée constituante qui venait d'être élue, dans laquelle il n'avait pas la majorité, loin de là, puisqu'il n'avait que 25% des voix, alors que les socialistes révolutionnaires, le plus grand parti traditionnel de la Russie, avaient 60%, plus de 60% des voix. Lénine et Trotsky, parce que là-dedans, il n'y a pas long, on a les accords entre eux, Lénine et Trotsky considèrent que la démocratie bourgeoise, limitée par la propriété des moyens de production, qui font qu'on peut à la fois s'acheter un journal ou un bordel, considère que cette démocratie bourgeoise n'est pas la démocratie. Et que la véritable démocratie, c'est celle où la majorité jouit de la totale liberté d'expression, au besoin, en opprimant, pour le temps où c'est nécessaire, la minorité. C'est, si tu veux, la démocratie ouvrière,
que Marx a appelé aussi la dictature du prolétariat. Et là-dessus, ils sont tout à fait d'accord, et tout à fait d'accord pour considérer que c'est le pouvoir des soviets, le pouvoir des conseils, qui est la forme institutionnelle de la dictature du prolétariat. De ce point de vue, ils ont accepté, défendu, soutenu l'idée de l'élection de la Constituante. Mais quand la Constituante se présente avec un programme qui signifie le retour en arrière, le retour sur toutes les conquêtes de la Révolution, ça ne les intéresse plus, ils ne sont plus pour la Constituante. Ils considèrent comme parfaitement démocratique de se débarrasser de cette Constituante qui n'a qu'un sens, l'organisation de la guerre civile contre ceux qui exproprient les expropriataires et qui veulent mettre fin à la guerre. Pourtant, très vite, la République soviétique ne connaîtra qu'un seul parti, qu'une seule presse. Pour Lénine, comme pour Trotsky, seule la dictature du prolétariat, par la voie du centralisme démocratique, sous l'impulsion du parti bolchevique, est à même de conduire le pays vers le socialisme. Dès le début, de violents combats les opposent aux autres forces qui ont soutenu l'insurrection. Les mots d'ordre s'imposent plus que jamais. Mais la guerre, toujours présente, va pour un temps estomper les oppositions internes. Sur le front, par milliers, les soldats désertent ou fraternisent. Les bolcheviks ont promis la paix immédiate, mais le parti est partagé devant les conditions allemandes. Lénine est partisan de les accepter, Boukharine veut mener la guerre révolutionnaire, Trotsky lui propose d'arrêter les combats sans signer la paix. Sa position l'emporte au comité central. Commissaire aux affaires étrangères, Trotsky est chargé des négociations à Brest-Litovsk. Il annonce que son pays se désengage. Presque aussitôt, les Allemands reprennent les hostilités et imposent leurs conditions. Le traité leur accorde un quart de la Russie. C'est la guerre civile. Le pays est divisé. Les armées blanches de Korlinov et de Kolchak passent à l'offensive. C'est la guerre civile, soutenue par les puissances hier encore ennemies, s'alliant dans une nouvelle union sacrée face à la menace rouge. C'est la guerre civile que la jeune République isolée, assiégée à ses frontières, minée par des soulèvements intérieurs, va devoir affronter pendant 30 longs mois. Une fois de plus, Trotsky est l'homme des situations critiques. Président du Conseil suprême à la guerre, il va construire en quelques mois l'armée rouge. Mai 1918, 300 000 soldats démoralisés. Décembre 1920, plusieurs millions d'hommes équipés et encadrés. Trotsky est sur tous les fronts. Lui qui ne connaît que le combat de rue et l'insurrection populaire, il va inventer la guerre moderne. Général sans épaulettes, stratège inspiré, il combine guerre de position et guérilla. Sa force, les unités mobiles et la galvanisation des troupes au combat. Il motorise son quartier général, c'est le train blindé, le train de la Révolution. Centre de commandement, de propagande, de communication avec radio, imprimerie, cinéma, hôpital, troupes de choc. Trotsky vit en permanence sur les voies bombardées, sillonnant le pays en tous sens pour soutenir les combattants qui, peu à peu, reprennent les villes et brisent tous les fronts. C'est une armée révolutionnaire, c'est une armée de classe, du point de vue du moral, du point de vue de la composition sociale. Ceci dit, le moral et la composition sociale n'enseignent pas le métier militaire,
Il faudra donc pour cette armée des spécialistes qui sont, dit Trotsky, forcément les officiers d'ancien régime, les officiers de l'armée tsariste. Alors comment employer des gens qui sont des ennemis de classe? Eh bien en les surveillant étroitement. Et c'est à partir de là que Trotsky crée cette division dans le commandement. Il y a le commandement militaire, le technicien, l'officier, et le commandement politique, le commissaire politique, qui est un militant, la plupart du temps un militant ouvrier, dont le rôle est double. Il galvanise le moral des troupes, il explique aux gens pourquoi nous combattons, et en même temps, il surveille l'officier qui, de par ses origines sociales, est un traître en puissance. Une fois que les Blancs s'emparent d'un territoire, d'une ville industrielle, on tue tous les communistes, on les massacre. Et si l'armée rouge reprend cette région ou cette ville, il faut ressusciter le parti. On ne peut pas le ressusciter avec les gens sur place que l'on a tués. Il faut en faire venir d'ailleurs. Et pour faire venir des communistes, par exemple en Sibérie, il faut un organisme central qui les désigne, qui les sélectionne, qui les désigne, qui les affecte. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passait avant la Révolution, on a toute une série de responsables qui ne vont plus être nommés élus par le bas, mais qui vont être inévitablement désignés par le haut. Et ce sont des pratiques, disons qu'on peut appeler presque normalement, elles sont inévitables, la militarisation du parti, mais ce sont des pratiques qui vont être pérennisées à la fin de la guerre par la hiérarchie de ce que Trotsky appelle la hiérarchie des secrétaires, c'est-à-dire cet appareil naissant qui est spécialisé au fond dans la détention et la préservation de son propre pouvoir. Pour soutenir l'effort d'armement, Lénine impose le communisme de guerre. On réquisitionne les récoltes aux paysans à qui l'on avait distribué les terres. Terre, réquisition. Pain, famine. Liberté, répression. De chaque côté, on exécute, on fusille, et partout des hommes sourient à la mort, comme ce soldat rouge face au peloton de Kolchak. Des centaines de révoltes explosent aussitôt réprimées. C'est l'anarchiste Makhno, c'est Tambov, c'est Kronstadt. Kronstadt, place forte, qui contrôle la Baltique et Petrograd. Kronstadt, en rébellion contre les bolcheviks. Celui qui connaît bien l'histoire de Kronstadt, il a l'impression que Trotsky a voulu détruire Kronstadt. Kronstadt était venu pour prendre le palais d'hiver. Les marins étaient arrivés de la Baltique pour appuyer à Moscou et à Saint-Pétersbourg l'effort des révolutionnaires. Et ils avaient pris parti pour Lénine et les autres, qui paraissaient les plus révolutionnaires, pour lesquels le centralisme démocratique n'était pas encore devenu ce que ça sera par la suite, bien sûr. Et ils étaient retournés, naturellement, dans leur pays, dans leur bateau. Leur pays, c'était leur bateau. Et en voyant se développer la révolution, et particulièrement la révolution, le caractère agraire de la révolution, alors ils ont protesté, et ça s'est arrangé. Je peux me tromper, mais j'ai des opinions. J'étais de ceux qui ont pensé que Lénine aurait peut-être arrangé les choses. Mais Trotsky a voulu sa bataille de Kronstadt. L'un des dirigeants bolcheviques, comme tous les autres, il a pris la responsabilité de ne plus chercher la négociation avec Kronstadt à partir du moment où
la fonte des glaces approchait et où la forteresse ne pouvait plus être reprise par l'infanterie, ce qui crée une situation militaire très dangereuse. Il n'a rien, de ce point de vue, il n'a pas de responsabilité particulière par rapport aux autres, même s'il partage avec ses camarades la décision d'employer la force pour reprendre Kronstadt. Alors, là-dessus, d'ailleurs, je crois qu'il faut le dire, que Lénine était d'accord avec Trotsky, que Trotsky était d'accord avec Lénine et Boukharine, et même les oppositions, puisque les délégués de l'opposition ouvrière, qui étaient un peu l'extrême-gauche du parti, se sont portés volontaires pour aller eux-mêmes à l'assaut des mutins de Kronstadt. Tous les bolcheviks sont d'accord, Kronstadt doit tomber, Trotsky est solidaire. Kronstadt, qui proteste contre le communisme de guerre, qui se réclame d'une révolution d'essence libertaire comme Makhno, est écrasé au nom des principes d'une autre révolution. Le 18 mars 1921, l'assaut est donné, 30 000 morts. Un sang noir sur Octobre qui éclabousse inévitablement Trotsky. Trotsky a dit, je crois, au 10e congrès, nous avons ruiné la Russie pour battre les Blancs. C'est une formule très éclairante. Il a fallu monter une armée de 5 millions d'hommes, il a fallu les nourrir, les habiller, les armer. Tout ça avec les ressources d'un pays ruiné. Pas ruiné en 17, mais enfin ruiné par le sabotage économique, ruiné, etc., par des tas de raisons, ruiné par l'invasion étrangère, ruiné par la guerre civile. 15 ou 16 millions de morts entre 1914 et 1921. Une industrie qui fonctionne au bois en 1921. Une famine effroyable où on voit réapparaître le cannibalisme, donc une régression foudroyante dans la mort. Dans cette situation, alors que l'espoir de révolution en Europe apparaît comme s'éloignant de plus en plus, et se crée évidemment la tendance pour l'appareil qui détient le pouvoir d'utiliser cet appareil, ce pouvoir, pour répartir à son bénéfice les maigres privilèges que l'on peut écrémer dans cette pénurie. Début de 1920, Trotsky avait proposé de desserrer l'étau des contraintes économiques en redonnant notamment la liberté de vente aux paysans. Mais le bureau politique du parti repousse ses positions. Un an plus tard, Lénine fait adopter la NEP, la nouvelle politique économique de réconciliation avec les paysans, reprenant en partie les suggestions du chef de l'armée rouge. Dès 1918, les ouvriers du monde soutiennent la Russie des soviets. Partout, les vieux partis socialistes éclatent, des partis communistes se créent. Trotsky, comme Lénine, est persuadé que la victoire en Russie n'est que la première étape vers la révolution européenne puis mondiale. Lénine et Trotsky et le groupe des bolcheviks qui était avec eux étaient entièrement convaincus que le choix était simple. Ou la révolution s'élargissait par un second souffle de la révolution en Europe, ou elle s'effondrait en Russie et on revenait à une réaction bourgeoise. Personne, ça c'est un point d'une extrême importance. Personne n'imaginait une autre solution. En fait, la Troisième Internationale, l'Internationale communiste, le Comintern, comme on disait à l'époque, ne sont vraiment devenus une organisation qu'à partir de l'année suivante, à partir de 1920, après la fin du blocus, etc. Trotsky était un des principaux personnages
de l'Internationale, parce qu'il était déjà un homme connu dans la deuxième Internationale, parce qu'il est un homme de réputation non seulement européenne, mais américaine. Et d'autre part, c'est sa plume, évidemment, qui a servi à tous les grands textes, à commencer par le manifeste, bien que, jusqu'à ces dernières années, normalement, les soviétiques ignoraient, non pas le texte, mais l'auteur du texte. À Moscou, en 1920, des délégations des partis ouvriers de tout pays assistent au deuxième congrès de l'Internationale, où siège un bureau permanent chargé d'élaborer, d'organiser et de coordonner la stratégie de la révolution mondiale. Trotsky est particulièrement attentif à la situation allemande. Déjà en 1919, la social-démocratie alliée à l'état-major a noyé dans le sang l'insurrection spartakiste et assassiné leurs leaders Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. En 1923, c'est à nouveau l'espoir chez les révolutionnaires allemands. Trotsky, de toutes ses forces, sonne l'alarme. Il sait créer en Allemagne une situation révolutionnaire. Il faut préparer l'insurrection. Il a été suivi et l'insurrection a été minutieusement préparée, techniquement, politiquement. Et finalement, comme nous le savons, cette insurrection n'a pas eu lieu, en partie parce que la direction de l'Internationale, celle du parti allemand, peut-être parce qu'elle ne s'y était pris trop tard, ont reculé devant le geste décisif, comme Zinoviev et Kamenev l'avaient fait en 17, reculé devant l'insurrection. Et c'était ce recul, le fait que l'insurrection a été décommandée, constituait alors une défaite morale très importante, et là aussi Trotsky a été le premier à mesurer la portée de ce recul qu'il critiquait et qu'il n'approuvait pas, mais pour lequel il n'avait pas eu la possibilité de jouer un rôle direct, puisque le parti russe avait repoussé la proposition que les Allemands avaient faite d'envoyer Trotsky sur place en Allemagne pour diriger l'insurrection. De ce nouvel échec, la classe ouvrière allemande ne se relèvera pas. Déjà à Munich, l'ombre noire se dessine. Après le fiasco de 1923, il devenait évident que la révolution était pour longtemps isolée en Russie. Donc il fallait vivre, il fallait tenir, et c'est à ce moment-là que Staline a inventé son socialisme dans un seul pays, et c'est à ce moment-là que s'est trouvé posé le problème de la dégénérescence de la révolution isolée dans un pays pauvre et arriéré. Chargé de la réorganisation des transports et de l'économie, Trotsky est à l'apogée de sa popularité en 1922. Certains lui reprochent son manque de sociabilité. Il est vrai qu'il est souvent guindé, un peu distant, ne pratiquant pas le tutoiement couramment utilisé et tolérant mal que l'on fume en sa présence. Il est préoccupé par le relâchement qui se manifeste de plus en plus à la tête du parti. Malgré son état maladif préoccupant, Trotsky multiplie ses activités, ce qui lui laisse peu de temps pour sa vie familiale. Natalia, de son côté, participe activement à la promotion des œuvres d'art. Ses deux fils font partie des Komsomol. Quant à ses deux filles, qu'il revoit de temps à autre, elles sont comme leur mère des militantes actives. Ah, il est au Kremlin, dans l'aile cavalier, un rez-de-chaussée où ils ont quelques petites pièces, ça donne directement sur la salle où se réunit le bureau politique. Il arrive que les gamins tombent contre la porte, que la porte s'ouvre et qu'ils roulent dans la pièce du bureau politique. En face, il y a Staline. Alors, il y a des problèmes parce que Staline rentre tard le soir et comme il est paresseux, il se fait mener par sa voiture jusqu'à sa porte, donc il réveille tout le monde. Et les Trotsky protestent en disant, à partir de 10h du soir, les voitures ne doivent pas rentrer dans le Kremlin. Bon, des problèmes de voisinage. Domestique. Comme tout le monde.
En dépit de quelques points de divergence, Trotsky reste très proche de Lénine, qui lui propose de former un bloc contre la bureaucratie montante. J'ai été à 50 cm de Lénine et à 50 cm de Trotsky. Et tous les autres étaient là. Tout le gratin du parti était là. Trotsky ne disait rien, il écoutait. Quand on le mettait en cause, il écrivait. Il écrivait constamment. Quand on le mettait en cause, il levait la tête, le son porte-plume en l'air, et se remettait à écrire. Toute son attitude est une attitude d'effacement. Et pourtant, il était mis en cause à chaque instant, par les uns et par les autres. Mais il était soutenu par Lénine. Soutenu par Lénine, avec derrière lui, Staline, qui ne laissait rien échapper de l'activité de Trotsky. Staline est nommé secrétaire général du parti en avril 22, à la suite d'un congrès au cours duquel il ne dit pas un mot. C'est une fonction qui apparaît essentiellement comme une fonction d'organisation du travail de l'appareil et qui ne peut pas avoir de fonction éminemment ou essentiellement politique dans la mesure où, pour tout le monde, il existe un dirigeant du parti qui est Lénine. Sauf qu'à partir du moment où la perspective, disons, d'élargissement de la révolution s'éloigne après la défaite militaire en Pologne, la défaite de la révolution allemande, etc., l'appareil est amené à prendre une place qu'il n'avait pas avant. L'appareil d'État, d'abord, et puis l'appareil qui contrôle l'appareil d'État, celui du parti, ensuite. Et donc c'est parce que l'appareil s'élève au-dessus de la société de façon très rapide et même vertigineuse que celui qui est au sommet de l'appareil prend une place qu'il n'avait pas avant. Staline, lui, arrive à cette fonction à un moment où les conditions historiques changent et il saura ensuite les utiliser, ça c'est une autre question. Mais c'est pas lui qui les fabrique. Il utilise une situation, il ne la crée pas. Pour la première fois, en novembre 1922, Lénine est absent des cérémonies anniversaires de la Révolution. Trotsky mesure bien les périls qui menacent le parti. Il faut que le parti revienne à l'initiative collective et au droit de critique libre et fraternelle. Il est nécessaire de renouveler l'appareil et de rappeler qu'il n'est que l'exécuteur de la volonté collective. Mais Trotsky hésite à s'engager seul dans la lutte, alors que Lénine, malade, victime d'une attaque, se repose loin de Moscou avec sa femme Krupskaya. Le testament, c'est une lettre de Lénine au Congrès, dans laquelle il envisage les capacités, les qualités et les faiblesses de chacun. Les plus importants de ceux qu'il mentionne sont Staline et Trotsky. Il reproche à Staline de peut-être ne pas savoir se servir avec assez de mesure de ses immenses pouvoirs, et à Trotsky une tendance à voir le côté administratif des choses. Au fond, il tient la balance égale entre eux. Et quelques semaines après, il se prononce au contraire pour que Staline soit écarté du poste de secrétaire général. Il s'est passé dans l'intervalle que Lénine, malade, placé sous le contrôle du bureau politique, s'est trouvé aux prises avec Staline qui veut empêcher son intervention dans le domaine politique et que ce contrôle que Staline exerce sur Lénine, Lénine estime qu'il l'exerce contre lui et en particulier contre sa femme Krupskaya qui est sa collaboratrice dans cette affaire. Alors on se trouve dans une situation tout à fait nouvelle, c'est que jusque-là Lénine et Trotsky savaient qu'il y avait un danger général de bureaucratisation de la révolution, mais comme une sorte de phénomène normal et objectif. Or, à partir de là, ils s'aperçoivent qu'il y a un organisme, le bureau d'organisation, et un homme qui l'incarne, Staline, qui sont en train d'organiser le renforcement du pouvoir de cette caste. Alors, c'est le bloc Lénine-Trotsky contre Staline qui pouvait représenter le tournant dans ces lendemains de la Révolution, et qui finalement n'aura pas de conséquences, puisque Lénine tombe malade d'abord, ensuite meurt, sans que ce combat ait véritablement été engagé.
ce moment-là. J'avais 15 et 16 ans, mais je travaillais à mes croûtes et j'étais déjà un militant, un jeune militant. Eh bien, on pensait que Trotsky balayerait Staline, naturellement. Et ce que j'ai eu dans la tête, c'est que la défaite de Trotsky à Moscou, ça a été la victoire des médiocres sur un type de qualité extraordinaire, on peut pas dire, même si on l'aime pas, naturellement, un Radek, un Zinoviev, une planche. Éloigné à Soukhoum par Staline et le bureau politique, Trotsky ne peut assister aux obsèques. Et déjà, les principaux dirigeants se sont ralliés à Staline. Trotsky dit quelque part, il répond aux reproches qu'on avait fait. Il avait le moyen de faire un coup d'État, puisqu'il dirigeait l'armée rouge. Encore qu'il ne suffise pas d'être le dirigeant politique d'une armée pour pouvoir faire un coup d'État. Mais en tout cas, là n'est pas la question, il répond, mais si j'avais fait ça, j'aurais dû représenter les intérêts de ceux avec lesquels j'aurais pris le pouvoir. Or, l'avant-garde de la bureaucratie, c'était précisément la caste militaire, qui était la mieux placée, et qui, d'ailleurs, démontrera une capacité tout à fait remarquable au cours de l'histoire de l'Union soviétique à emmagasiner des privilèges particulièrement grands. Et cette caste est la plus avide de profiter de la paix, la plus avide de profiter de la belle vie, même si c'est relativement beau. Et tout coup d'État appuyé sur cette caste militaire, même si c'était des gens qui avaient beaucoup d'admiration pour les talents de Trotsky comme stratège ou autre, ou comme organisateur, n'avait pu avoir qu'un sens social. C'était, enfin, toute comparaison pour ce qu'elle vaut, mais ça serait le 18 Brumaire. Trotsky a choisi de ne pas être un homme du 18 Brumaire. C'est assez absurde de lui reprocher de ne pas avoir été le Napoléon Bonaparte. L'opposition, c'est un courant politique. Et les amis de Trotsky, c'est une tendance dans le parti. Staline, c'est une fraction qui a le pouvoir. C'est donc un combat tout à fait inégal. Les premiers se battent avec des programmes, des idées, des analyses, et les autres se battent avec tous les instruments du pouvoir, y compris la police, la possibilité d'arrêter, de museler les gens, le droit de censurer, et tout ce que tu vois. Donc un combat profondément inégal, et il a toute une série de limites. Par exemple, on peut faire une périodisation où on voit l'opposition progresser, gagner du terrain, et être arrêté brutalement par l'emploi de méthodes nouvelles qui l'obligent à refluer. Je crois par exemple qu'en 1927, les arguments de l'opposition faisaient que même dans l'entourage de Staline, il y avait une grande résistance à l'exclusion de Trotsky et de ses amis et à la répression contre eux. Et là, Staline a sorti ses armes secrètes, c'est-à-dire la provocation policière, la fabrication de complots militaires, de liaisons avec des blocs, qui étaient destinés à faire peur à ses propres camarades et à leur arracher la décision de passer à une répression contre l'opposition de gauche, dont ils ne voulaient pas, et en quelque sorte à leur forcer la main. Et au bout du compte, c'est l'appareil qui triomphe, mais c'est l'appareil qui triomphe par la police. Et disons-le, l'opposition vaincue, c'est le parti qui meurt. La campagne stalinienne pour isoler Trotsky et l'opposition se poursuit par la calomnie et le mensonge. En 1925, Trotsky est démissionné du Conseil de guerre et muté à la direction d'un organisme technique. Finalement, isolé au bureau politique, il est exclu du parti lors du 10e anniversaire d'octobre. Ses amis sont emprisonnés ou éloignés. La victoire de Staline est complète. Quelques jours après notre rencontre avec Trotsky, Ioffe, un dirigeant communiste, celui qui avait rencontré Sun Yat-sen et celui qui avait été membre de la délégation à Brest-Litovsk, se donnait la mort pour protester contre les persécutions dont étaient victimes les opposants. Nous avions, Naville et moi, fait partie du cortège d'ouvriers
de soldats et de marins qui se relayaient autour de la dépouille de Joffé pour sa veillée funèbre. L'enterrement de Joffé fut fixé par le Kremlin un jour ouvrable pour essayer de retirer tout caractère à la démonstration. Nous y étions à quelques pas de Léon Trotsky et nous nous tenions tous par le bras pour fendre la foule des miliciens à cheval qui essayaient de disperser le cortège. Et là, dans le soir qui tombait, avec les premiers flocons de neige, Trotsky, tête nue, a prononcé le dernier discours qu'il a pu tenir sur la terre russe. En janvier 1928, le GPU enlève Trotsky de force pour l'expédier à Alma-Ata avec Natalia et Liova. Il sera ensuite déchu de sa nationalité et expulsé vers la Turquie le 22 janvier 1929. Staline a commis une erreur dont il a su que c'était une erreur après, plus tard, et dont je crois il ne s'est jamais pardonné de l'avoir faite, c'est qu'il a exilé Trotsky. Ça a été l'erreur capitale de Staline, n'est-ce pas? Il a cru que c'était trop tôt pour tuer Trotsky. Il ne le pouvait pas. Les conditions dans la direction soviétique de l'époque ne le permettaient pas encore. Mais il aurait pu, dans quelques années après, exécuter Trotsky comme il a exécuté tous les autres. Mais il a cru, n'est-ce pas? Il craignait que la présence, que Trotsky, même isolé, n'est-ce pas, représente un pôle d'attraction pour une opposition qui demeurait une opposition vivace. Donc, il a pensé que, en excluant Trotsky de l'Union soviétique, en l'envoyant à l'étranger, il l'isolait. Ça a été son erreur capitale. N'est-ce pas? Et je crois qu'il ne s'en est jamais, il ne s'est jamais pardonné, et ce qui explique d'ailleurs qu'il ait constamment cherché à le tuer. Lénine momifié, Trotsky banni, l'opposition ralliée ou réduite au silence, la République des Soviets pénétrait dans sa période glaciaire sous la férule d'un nouveau tsar. Toujours inflexible face à tous les ennemis de la Révolution, Trotsky va devoir affronter un parti gangréné par l'appareil bureaucratique incarné en Staline. Dans un combat désespéré, l'exilé va livrer une lutte politique de tous les instants, afin d'inverser le cours de l'histoire et tenter de sauver cette révolution socialiste qui avait suscité tant d'espérance et à laquelle il avait voué totalement son existence.